Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi, je suis pour 3 raisons. Zéro argument. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, donc ça suffit. Allez, hop là, là. En fait, vous êtes des gros ch'tarbés, quoi. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, c'est à chier! C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire « Je vais me lever et puis je vais le faire. » La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait « Je suis Charlie ». Maintenant, à partir de ce soir, je dirais aussi « Je suis Annie ». Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ?